L'art pour moi, c'est le fait d'exprimer une émotion autre que par la parole ou l'écrit et de permettre à tout le monde de la comprendre, quelle que soit la langue ou la culture. Pour moi, l'art, c'est dire ce qu'on a envie, ce qu'on ne veut pas, ses rêves, ses cauchemars. Ça permet de dire ce qu'on ressent. Pour moi, l'art, c'est ce qui fait qu'on est humain. Il n'y a pas d'autres espèces animales qui font de l'art juste pour exprimer quelque chose. C'est uniquement pour survivre. Et depuis que l'homme a commencé à faire de l'art, il n'a pas arrêté d'évoluer. Tu peux faire ce que tu veux sur une toile, c'est que dans ta tête et c'est ta vie qui va faire ça. Ben, déjà, il y a tout type d'art, la sculpture, le cinéma, le dessin. Et pour moi, c'est exprimer ses sentiments. Ça prend du temps, mais aussi on peut s'amuser en même temps. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous ancre dans le temps, en fait. On a essayé de marquer nos corps sur la pierre, de savoir à quoi on ressemblait, savoir à quoi ressemblaient nos paysages, à quoi ressemblait notre environnement, en fait. El meu nom és Jofre Oliveres. Tinc 31 anys. Vinc de... Vaig néixer a Girona, però vinc de Berga. Pues he arribat aquí, a la Providence, perquè conec el Dimitri i la Christine de fa uns anys ja, i són amics que també es dediquen al món de l'art i bàsicament estan treballant junts. Jo treballo molt a l'espai públic, al carrer, pintant murals, i per mi l'art està molt més enfocat amb l'eina de comunicar. En aquest cas són uns nens que són nens soldat del Congo, estan immersos en una guerra, no? Que nosaltres no veiem perquè tenim un privilegi. Intento que es vegin altres contextos on la realitat no és com la que vivim nosaltres.